C'est vrai ? Vrai. C'est vrai ? Je sais pas trop. Plus on la dépiste tôt et plus on va pouvoir justement la contrôler, la vérifier, voir si elle ne s'aggrave pas. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir consulter rapidement pour savoir si son enfant est myope. Moi, je dirais vrai. C'est vrai. Bah, parce que si tu fais rien, ça va pas guérir. Même en ayant des lunettes, ça baisse. Forcément, ça s'aggrave. Alors, toutes les myopies ne sont pas évolutives, hein, ne progressent pas. Mais c'est important, justement, de la surveiller et donc d'avoir des consultations chez l'ophtalmologiste régulièrement. Mais il y a aussi tout le mode de vie, hein, c'est-à-dire nos habitudes de vie. On sait qu'on est beaucoup en vision de près, beaucoup en intérieur. Il est vraiment, vraiment important de sortir et de profiter de la lumière naturelle. Nos yeux en ont besoin. Il faut au minimum rester 2 heures, idéalement 2 heures minimum par jour à l'extérieur. Et limiter le temps d'écran ou le temps de vision de près. Essayer de varier les points de fixation et d'essayer d'aller à l'extérieur, c'est l'idéal bien sûr, mais de changer en fait de distance de vision.